Nous y voici, on aura mis une demi-heure, tranquille. Combien de temps on a mis? 3 heures. 3 heures. Mec est chaud, mec est chaud. Wow. Non, c'est Clop. Aujourd'hui, salut à tous, aujourd'hui on part pour une petite randonnée à ski, le Rhénose. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Moi je sais pas trop. À 2352 mètres et on part de la station de Capanel. Donc pour une belle sortie de ski de rando, on va voir si on peut faire mieux et redescendre peut-être de l'autre côté si on a le temps et si on a la météo qui nous convient. Déjà on va monter, après on verra. Ouais. Voilà, on est arrivé à la station de Capanel. On part d'ici. Le tracé est donc, il est là. On remonte toute la gauche de Pétraniel. On atteint le lac et on continue jusqu'au sommet. Donc allez, on vous emmène avec nous. Après tout chaud. Pour la petite ascension du Rhénose qu'on voit tout en haut. On a fait déjà une bonne grimpette là. On est bientôt arrivé là. Encore 10 minutes. Allez, c'est parti. Sur du plat, on arrive sur la crête du Rhénose, juste là. Ça fait une belle grimpette là. Rien, on voit rien, le nuage de pollution cache tout. Et je suis un peu en retard. Hein. On vient d'arriver sur la crête, enfin on l'a déjà plus ou moins bien passé. Là je vais rester qui est derrière moi, avec Aurélie qui est en tête. Donc de ce côté là derrière moi, on a le lac de Brac. Et plus en bas encore dans la vallée, Vitalac. Là on va finir de remonter jusqu'au sommet, en direction des gens qui marchent en raquette. Là contourner le petit Alvègue et arriver au sommet. Donc voilà, d'ici 10 minutes on y est. Et après, il va falloir se retaper toute cette crête là, toute plate,
ou alors descendre directement sur la droite. Bon, allez, on continue. On est à 2352 mètres d'altitude, on a la croix qui est juste là derrière. On est au sommet du Rhénos et maintenant on va attaquer la descente. Donc il y a deux possibilités de descente, soit versant sud et on prend vallée longue, soit on reprend le même chemin qu'à la montée et on prend la crête qui part versant nord. Hein, bon, toujours faire gaffe aux corniches parce qu'il y a vraiment des grosses crevasses et elles demandent qu'à tomber. Hein, on va vous les montrer en vidéo. Là on arrive au bord de la corniche où on voit une belle fissure. Donc évidemment une corniche qui ne demande qu'à tomber et quasiment sur toute la longueur, même au sommet. Donc on verra ça tout à l'heure. Évidemment c'est un endroit qu'il faut éviter. On va éviter de tomber. On n'a pas pris le matériel adéquat. On va bien se faire plaisir là je pense. Allez c'est parti. Pour nous, ça fait à peu près 900 mètres de dénivelé, aucune cascade, ouais, c'est déjà pas mal. Pas de chute trop violente. Voilà, on quitte la station de Capané, là on redescend sur Pontivet. Si vous êtes intéressé par une vidéo peut-être du matos qu'on met dans notre sac ou du matos dont on a besoin pour les sorties en ski de rando, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, on fera le nécessaire pour tourner ça. Les pieds en feu, je vais bien dormir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos et de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ah, à la semaine prochaine. Ciao. Olé. Oui. Tac. Je pense que ça marchera. Et voilà, les cendres étaient tues. Pas s'empêcher de monter. Voilà. Je voulais que tu te les manges. Hein.
N'oubliez de vous dire, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller regarder sur Instagram et sur Facebook en tapant Altrimonch ou encore Lisandre ou encore Jeff ou Aurélie. On vous mettra ça en commentaire. Voilà, merci encore et à la prochaine. Ciao.